Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Let's Play sur Phoenix Point. Donc la dernière fois, on venait de commencer cette mission où il fallait qu'on aille détruire des trucs. C'est une mission de sabotage, donc il faut qu'on détruise les structures clés de cette zone. Et on va devoir agir vite car les renforts ennemis vont arriver en continu. Ok, donc là, on arrive sur la zone. Ah, on voit. Ah oui. Hop, hop, hop. On voit qu'il y a déjà un berserker ici ennemi. Ok, il y a un truc à détruire là qui est pas très loin, donc on va peut-être commencer par celui-ci. Histoire d'après se déplacer par là. Celui-là, on pourra le défoncer au fur et à mesure. Peut-être en dernier, on verra. Paf, paf, paf. Enfin, venir se mettre dans ce bâtiment, après, ça pourrait être pas mal de tirer un peu de partout d'ici. C'est pas une mauvaise idée, je pense. Ça me semble pas mal. Ouais. Ça me semble pas mal, on va commencer par détruire celui-là peut-être. Ok, avec mon sniper, est-ce que je peux lui mettre un coup déjà? D'ici, ouais. Hop. Tirer sur celui-là, voilà. Allez, zou. Ça fait pas beaucoup de dégâts, dis donc. Est-ce que ça a pas un point de faiblesse? Non. Non. Allez, 110 de dégâts, très bien. Alors... Là, on a lui, on a notre berserker ici, qu'on va emmener. Voilà, emmener où notre berserker, je sais pas. Ready. Attention, donc là, il y a un berserker ennemi là-bas, est-ce qu'on peut lui tirer dessus? Mais... On peut pas lui tirer dessus. J'aime pas bien ça là parce que là on est proche d'un truc dès le début. À tous les coups il y a un ennemi qui est planqué là-dedans. À tous les coups. Donc, tu peux tirer sur celui là-bas mais ça m'arrange pas trop. Toi, tu peux venir ici pour tirer sur celui là-bas à la limite, pourquoi pas. Ah. Oh, un soldat là-dedans. Tiens, unité d'assaut des issues d'Anu. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas venir te mettre ici. Hop. En. Ici, comme ça. Paf, comme ça. S'il sort d'ici, bam, il se prend un coup de fusil à pompe. Toi, tu vas venir ici. Pareil, en vigilance par là, comme ça, un peu plus loin, toi, voilà. Toi, je te mettrais bien là-bas, quand même. Hop, et tu vas me tirer un peu sur ce truc-là. Comme ça, on n'en parle plus. Voilà, ça fait un peu de dégâts, c'est très bien. Lui, il peut pas, non, il s'est déplacé, il nous reste lui. Donc notre berserker qui va pouvoir tirer dessus à la limite. Si je viens là. Peut-être bien que tu pourras tirer dessus au pistolet. Paf, tirer. Pas mal. Il a l'air puissant son pistolet à lui. Hein. Et toi? Toi, bah toi tu vas rien pouvoir faire. Toi tu vas venir par là. Pour pouvoir jouer les prochains tours. Faire des trucs les prochains tours. Ah, t'es obligé de faire tout le tour. Ah oui, il y a un mur là. Ah, ennemi détecté. Un berserker tout là-bas. Ok, donc lui, il a le pistolet comme le mien. Et une... Oh, un autre ennemi. Encore. Où ça? À l'intérieur, un autre berserker. Oula! Eh ben, je crois que j'ai bien fait de me mettre en vigilance ici, moi. Toi, tu vas peut-être rester là, finalement. Tu vas peut-être rester là, comme ça, et te mettre en vigilance. Tu peux tirer sur lui, là? Bon, tu dois pas pouvoir faire grand-chose. Tu peux te mettre en vigilance par ici, toi. Hein? Ça sera mieux, comme ça. Et on va terminer notre tour. Allez, disciple d'Anu. Berserker, donc il va se planquer, ok.
Lui, il se rapproche, mais il reste planqué. Lui, il vient là, bam. Oh, vas-y. Non, il se prend pas l'autre. Oh, il s'arrête ici, tiens. Alors lui, il va se planquer avec son pote. Là, on a un berserker encore qui attend. Et lui, bam! Pouf! Ça lui a rien fait du tout. Ok, il vient couvrir son pote. Mais j'ai utilisé un medkit. C'est un petit peu con quand même. Tu trouves pas? Alors, là. Qu'est-ce qu'on commence à faire? Est-ce que lui, on pourrait pas tirer aux pompes? Ah oui, c'est pour ça, c'est parce qu'en fait il lui fait pas beaucoup de dégâts. Ah, dans les jambes? Bam! Vas-y, regarde. Pouf! Comme ça il tire un peu sur l'autre derrière en plus. Allez, tu recommences. Dans les jambes, c'est pas mal ça. C'était bien vu ça. Bam! Il a pas d'armure dans les jambes. Ok, toi. Du coup. J'ai un pompe aussi avec lui. Il est libre. Les jambes. Bam! Allez, un de moins. Et là, on va tirer avec ça. Bam! Et voilà. Allez. Et de deux. Alors, toi, tu vas tirer là-dedans. Hein, comme ça, on n'en parle plus de ce truc déjà. Voilà, badaboum. Ensuite, tu viens te mettre là. Toi, tu vas venir courir là, je crois bien. C'est pas mal comme truc. Ok. Toi, le sniper, il faut que tu te déploies. Il faut que tu te déploies. Parce que là, t'as un peu une position de merde. Tu peux tirer sur le truc là-bas, tiens, vas-y, tire dessus sinon. Bam, allez, hop. Je l'ai pas touché. Comment ça? Ça, c'est des trucs que je comprends pas. Toi, t'es bien là où t'es. Et toi, mon berserker. Faut que t'avances aussi, toi. Faut que t'avances parce qu'on a dit qu'on en avait deux par là, hein, c'est ça? Non, il y en a un là-bas. Et deux ici. Ok, donc ils sont assez loin, ça va aller. Ah oui, on en a un là-bas. Bah toi tu vas venir ici. Parce que d'ici, tu peux tirer sur l'autre là-bas. Même si t'as une faible chance de le toucher. C'est pas grave. Toi tu restes là pour le moment. Allez, terminer le tour. On va voir ce qu'il va faire. J'aurais dû me mettre en vigilance plutôt. Donc lui, il va venir vers moi. Qu'est-ce qu'il fait? Il tire. Oh! Oh, ça défonce tout ça, son truc, par contre, son pistolet à lui. Hein. Ok. On a un autre berserker ici. Ouais. Qui a l'air d'avoir moins d'armure, lui. Hein. Tant l'autre. Les gros, là, ils ont l'air d'avoir de l'armure, mais. Ok, donc lui, il se rapproche de moi. Ils sont couillus, hein, les berserkers. Hein. Je veux dire, ils restent en plein milieu, comme ça, tranquille. Allez, il y en a un autre là. L'autre est venu ici. Ok, donc là ça va être le moment de se défendre, voire d'attaquer. Toi tu vas venir te mettre là et tu peux leur tirer dessus, ça c'est bien. Visée libre. Oh, si tu fais un headshot, ce serait parfait. Vas-y, rate-toi pas s'il te plaît. J'ai bien cru que tu t'étais raté. J'ai plus point d'action. Alors ensuite, lui. Lui. Ouais, lui va se mettre là, il va attaquer lui. Allez. Bam. Très bien. Ok. Toi, avec ton pompe, tu vas venir te mettre là. Je pense que c'est pas mal.
Attention parce que lui il est tout seul et il y en a deux là-bas. Hein. Ouais, c'est pas ouf comme endroit en fait ici. Il n'y a pas de. Pas trop de trucs pour se planquer. Non, tu peux plus viser dessus là. En fait, c'était pas ouf comme endroit ça. Ouais, c'était pas terrible. Finalement, de venir là. Là, si tu peux venir te mettre là, à la limite. Et tirer au pistolet sur lui là. Ce serait bien de le toucher. J'y crois pas trop, mais. Ouais, bon. Bref. Donc il me reste qui? Il me reste le fusil à pompe Inaro, le soldat lourd. Soldat lourd qui est très chiant parce qu'il a peu de mouvement. Ah, à moins que je puisse faire ça, propulsion 3, ça m'aide pas. Si, ça pourrait me faire venir là. À découvert quoi. Nope. Ça pourrait me faire venir un peu plus loin quoi. Je peux prendre un peu d'avance mais ça m'arrange pas trop là. Ça m'arrange pas trop. Toi. Déjà tu vas venir ici. Je pense que c'est le mieux. En vigilance par là comme ça. Clac. Et toi tu vas venir ici. Ah, tu peux pas atteindre l'autre d'ici. Merde. Bah, tu vas te mettre là. J'espère que l'autre il peut pas se déplacer aussi loin là. Vraiment, on voit pas où ils peuvent se déplacer là quand on reste dessus. Non. Il me semblait. Alors, toi. Du coup. Ah, du coup, d'ici peu. Bizarre. Sinon, si je viens là, que je tire et qu'après je me barre, je viens là, je lui tire dessus. Oh non, sérieusement? Sérieusement? Tu vas me faire ça, le jeu? Tu vas vraiment me faire ça? J'y crois pas. Toi, tu vas venir ici. Let's make this happen. Putain, du coup, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir. Toi, tu pourrais encore bouger, hein. Mais non. Je m'en fous. Toi, tu pourrais venir un peu plus loin, genre ici. Non, parce qu'ils vont ils vont me contourner là. Ouais, bon, allez, terminer le tour. On va voir ce qu'ils vont faire. Lui va bouger en premier là, celui qui a beaucoup peu de vie. Je vais me faire niquer. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Et voilà. Ouf, heureusement qu'on est assez loin. Qui me fait pas trop de dégâts. Ah oui, il y a mon sniper aussi qui est dans le coin là-bas. Il va faire pareil. Ah, zut. Ok, lui va peut-être pouvoir lui mettre un coup à lui direct. Berserker. Allez. C'est ce que je voulais ça. Ça lui a pas fait grand chose. Ah, par contre, voilà, il est. Oh là là! Vas-y, pète tous les mecs! Quelle horreur! Allez-y, cassez tout, hein, je vous dirai rien. Oh là là, il va me défoncer. Oh! Je suis infecté en plus. Ok. Ok. À paniquer carrément en direct. À 14 d'infection! Oh! Ah ouais! C'est pour ça en fait. Quelle horreur. Ok, alors toi, bah tu vas achever lui. Je peux pas lui mettre un coup de crosse. Si, c'est mieux. Ça l'a pas tué. Quelle horreur. Bon, t'es mort. Lui, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire lui? Est-ce qu'il peut attaquer avec ça? Ouais, mais la question c'est est-ce que ça va être efficace? Alors attends, moi j'ai mon sniper aussi là. Hein. On l'oublie pas lui. On essaie de pas l'oublier. Il vient là.
Et il va tirer sur lui. Oh, quelle horreur. Putain. Ready to roll. Il y a un truc par terre? Ah ouais, un pistolet. Ok, ouais, mais on va pas faire ça. Là, je veux tirer sur lui, là. Je peux lui tirer dessus, là? J'ai assez de points d'action. J'ai assez de points d'action. Visez les jambes, visez les jambes. Aouh! Putain. Donc toi... Putain, il peut pas lui tirer dessus, là, mais c'est pas possible. Ah, vas-y, ça me saoule. Toi, tu vas te mettre... C'est quoi ce rayon de vigilance de merde? Largeur du cône. Ah, je peux le faire comme ça, quand même. Bah, vas-y, s'il bouge, il est mort. Toi. Tu peux tirer sur lui, là-bas? Ah, vas-y, tue-le, s'il te plaît. On a deux cours. Très bien. Allez, visée libre. Paf. Allez, il est mort. Hop, on n'en parle plus. Ça en fait un de moins. Là, ça me fait un peu peur de venir taper sur lui, là, mais bon. Ouais, on tente le coup. Je suis un ouf. Mon berserker, il était là pour ça. Frapper. Lui. Attends, on va faire ça déjà. Anti-blindage confirmé. Frapper. Confirmé. Étourdi. Ah bah bien ça. Ça c'est bien par contre. Ok, et il me reste mon sniper. Qui du coup peut venir par là sans problème. Hop. Bon, ils vont pas tarder à avoir des renforts là, je pense, là quand même. Ah, tiens, un berserker. Ah, oui, oula. Ça fait mal. Je suis étourdi en plus. Merde. C'était peut-être pas une bonne idée. Ah, mince, unité d'assaut qui arrive ici. Putain. Récupérer plus de points de volonté. Ok. Donc lui il peut toujours rien faire. Toi est-ce que tu peux tirer sur le sur lui là non? Toi tu vas venir. Oh putain, je peux même pas tirer sur les ennemis. Sur lui là-bas peut-être. Encore c'est pas sûr. Toi tu vas venir ici. Je pense. Parce que lui il va venir par là. Hein. Attends, mais toi tu peux lui tirer dessus là, sur le nouveau là. Vas-y hein. Encore. Putain, t'aurais pu viser mieux que ça quand même, espèce de guignol. Toi. Tu vas tirer sur ce truc là. Hein. Parce qu'on n'oublie pas que c'est quand même notre objectif ce truc là. Voilà. Donc, lui. Mais. Là ou là? Là. Ok. Let's blast them. Vas-y, mets-lui autre chose. Oh là là, punaise. Ça, c'est le genre de truc qui m'énerve trop. Il manque rien quoi. Badaboum. Coup des points d'action et grenades et autres. Ok. Je crois que lui, je vais l'envoyer. Ah merde, tu peux pas aller plus loin. Je crois que lui, je vais l'envoyer carrément là-bas. Il va se faire les trucs tout seul là-bas, non? Ce serait pas mal. Surtout que les ennemis peuvent pop que ici.
Et là. Donc ça veut dire que si je m'avance là au milieu, je serai tranquille. Ça. Ah si, il a quand même des points d'action lui. Bon, alors. On va le faire reculer peut-être, non? Il a rien pour se soigner lui. Il a rien pour se soigner. Qui c'est qui a du soin dans l'équipe? Personne. Celui qui est parti à l'autre bout de la map. Et sinon, c'est lui qui m'embête là, c'est surtout celui-là là qui va m'embêter en fait. Les autres, je m'en fous. Le problème, c'est que si je viens là, je suis encore à portée de lui, je pense. Allez, tant pis. Allez, on va se mettre là. Bah toi de toute façon t'as pas de points de machin, terminé le tour. J'ai peur que mon berserk décède. Oh, il utilise un medkit lui, tiens. Pourquoi pas. C'est assez surprenant. Ok. Lui il prend des dégâts lui, comment ça se fait? Saignement 10. Ah. Il a 0 point de volonté, faudrait qu'il récupère, mais bon, le problème c'est que. Faut aussi que j'avance. Le problème c'est que là, j'avance pas ma mission du tout, quoi. Ce serait bien qu'on avance un peu. Ah! Un nouvel ennemi? Où ça? On veut dire quoi? Over there. Oh, mais lui, je sais qu'il était là-bas, merci. Toi, tu vas venir par là. Hop, voilà. Toi, tu vas t'amuser à tirer là-dessus. Bah, vas-y, t'as pas besoin de viser libre, ouais. Ok, dommage qu'il ait pas un pistolet ou un truc comme ça. Toi. Mon sniper, est-ce qu'il peut atteindre l'autre là dans sa petite cabane? Non. Donc, il va falloir qu'il se déplace. À couvert, ce sera encore mieux. Le problème, c'est qu'il peut pas se mettre à couvert de lui. Si, là. Tiens, boum. Allez. Combien il fait de dégâts là? 110. Et si je tire avec ça, est-ce que c'est pas mieux? Tirer avec ça, il me reste combien de points d'action? 3. Ça fait 40. 4 fois 3, 12, ça fait 120, c'est mieux. Vas-y. Ok. Pourquoi je peux pas le viser ce truc? C'est mal fait ça. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Ensuite lui. Lui, il va venir ici. Qu'est-ce qu'il y a dans son sac à dos? Ah oui! Alléluia! Paf! Oh, tu vas prendre le pistolet aussi. Tu... Non, bah non! Tour. Voilà. Du coup, tu vas te heal. Hein, clairement. Piouge. Ah. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis tu vas venir te mettre là. Ok. Toi, pareil, tu vas bouger, toi. Désolé, mais il faut que tu bouges. Il faut que tu bouges, donc tu vas venir te mettre ici. Hop.
Et t'as plus de points d'action, donc tu peux même pas te soigner. Non. Receiving. Toi, ça serait quand même que tu te mettes là pour couvrir les arrières. Comme ça. Qu'est-ce qu'il a lui? Pistolet, donc on s'en fout. Pouf. Tu vas te mettre comme ça, toi. On the lookout. Ok, toi t'as fini, allez, termine le tour. Faut surtout pas qu'il meure, mon sniper, de toute façon. Enfin, pas mon sniper, moi. Oh là! Ouh! Ça va, il m'a bien loupé quand même. Heureusement. Voilà, un coup de snipe dans la tête et c'est fini, hein. Je pense. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Pistolet. Bouf! Très bien. De dégâts panique, ouais, bah oui forcément. Force Phoenix, alors bah déjà le lui il va continuer son petit truc là, crit guerre. Bah, d'abord il n'y a pas un truc qui me permet de gagner des points de machin, non? Bon, on va utiliser l'arme, hein, vas-y tirer. Ok, ça va prendre du temps mais ça va le faire. Sniper. Alors lui doit tuer, il doit pouvoir tuer lui. Au sniper, visée libre. Petit headshot, non ça le tue pas. Ça le tue pas un headshot. Ok, pistolet ça fait quoi comme dégâts? Rien du tout. Allez vas-y. Boum. Targeting. Elle doit pouvoir le tirer dessus aussi, non? Ah, mais je touche pas 4 fois là. Pas possible. Dommage. Alors attends, toi, tu peux peut-être lâcher avec ton pistolet, non? Ça le tue même pas, quoi. Bah, toi, tu vas tenter de le tuer. Vas-y, on retente le coup. Hein. Bon. C'est vraiment pas ouf ça. Hein. On n'avance pas bien la mission. Hein. Voilà. On n'avance pas bien la mission. Toi, tu peux pas récupérer, t'as pas assez de points d'action. Toi, est-ce que tu peux tirer sur lui là? Non, par contre tu peux venir lui mettre un coup de massue dans la gueule. Il meurt. Bam. Allez, tu viens là. Est-ce que tu peux taper le truc à coup de massue aussi? Munition épuisée, rechargée. Rechargée, confirmée. Ok, bon bah maintenant tu vas avec ça. Tu vas tirer là-dedans. Vas-y. Boum. Boum. Ah bah ça va vite. Toi tu dois recharger, vas-y, confirme. Ok, très bien. Terminé le tour. Les cibles d'Anu, donc là il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Ok, une unité d'assaut. Pour terminer. Elle faut qu'elle récupère vraiment. Toi, tu peux pas frapper ce truc là. Vas-y, bah tire là-dessus. J'avais pas besoin de faire la visée libre, mais bon. Bah vas-y. Ouais. Ok, très bien. Toi, tu peux te soigner peut-être. Ce serait bien de soigner lui en fait. Il peut toujours pas récupérer lui, putain. Celui qui est à l'intérieur va être chiant à atteindre là. On peut tirer sur lequel là? Sur celui qui est à l'autre bout et sur celui-là. Bon bah viens là. Paf. Puis tu vas tirer. Non,
sur celui là-bas. Ah, c'était pas ouf ça. Et toi, tu vas tirer. Acquiring targets. Pas sur celui-là. Pas sur celui-là non plus. Sur celui-là, tiens. Voilà. Très bien. Ok, ensuite. Toi. Sachant qu'il y a encore l'autre guignol là-bas. Toi. Tu peux peut-être tuer lui là. Non, lui. Tu mets un petit headshot là. Headshot des familles, voilà, on n'en parle plus comme ça. Tu viens te mettre à couvert ici. Parce que bon, hein, quand même. Toi. Toi, tu vas venir où, toi? Toi, tu vas venir là. Let's blast them. Bon, bah, vas-y. Très bien. Il reste pas beaucoup d'objectifs là. Ok, donc lui utilise un medkit. Je sais pas où il va aller se mettre. Ah, il a un pompe, il faut faire gaffe. Hein. Faut faire gaffe. Ah, il y en a un autre qui arrive hein, du coup. Hey. Et il commence à y en arriver un peu plus là. Donc, toi. Avec ça, tu vas tirer sur lui. Voilà. Encore, s'il te plaît. Très bien. Voilà. Lui. Il faut qu'il tire sur celui là-bas. Il reste encore un paquet de trucs. Hein. Tu vas tirer sur. Non, pas lui. On va essayer d'utiliser un truc qui a pas beaucoup de balles. Pas lui non plus. Pas lui non plus. Lui là-bas, ouais. Ou lui là. Très bien. Voilà, très bien. Ok. Toi. Toi, faut que tu fasses ça, hein, absolument. C'est vrai que tu te soignes aussi. Lui, est-ce qu'il peut aller taper là-dessus? Oui, bah allez. Clac. Avec ton pistolet, tu tires là-bas dedans. Voilà, histoire de pas se louper, très bien. Hop, lui. Ah, il va finir ce truc là. Allez, comme ça on n'en parle plus dessus non plus. Il reste les deux au fond, hein. On est d'accord. Toi, je pense que tu vas venir courir là, sinon tu vas te faire défoncer la gueule. Allez. Très bien. Et toi, tu peux encore tirer. Mais tu ne peux pas. Alors tu vas te mettre en vigilance comme ça. Il y a lui et l'autre là-bas. Il va aller vers où lui? Pas comme ça, vas-y, allez. Pouf. Terminé tout. C'est deux mecs au fusil à pompe là-bas, donc ça devrait aller. Voilà, allez. Saignement. Qu'est-ce qu'il va faire? Youh. Bah, ça va, il m'a pas trop touché. Il est hyper à découvert, donc ça va être cool. L'avantage là, c'est que je vais récupérer pas mal de fusils à pompe. Mais elle panique encore, elle, mais c'est pas possible. Le problème, c'est qu'elle va se faire tuer là. Qui c'est qui a du soin là, qui pourrait la soigner? Elle va se faire buter là. Toi, tu peux tirer sur qui? Tu peux pas tirer sur les deux guignols là? Oh là là. Là, tu peux tirer sur celui du fond, mais moi c'est pas celui du fond qui m'arrangerait de tuer, c'est pas celui-là là. Le problème c'est que d'ici là, si. Là c'est mieux là. Vas-y, viens là. Faut qu'on protège absolument lui. Hein. Hop. Visée libre. La tête. C'est pareil, la tête, allez vas-y. Très bien. Oh non! Ouf. Ah si, j'ai pris un coup quand même.
Il n'y a que lui qui a du soin. Quelle horreur. Alors, toi là, le berserk, tu vas venir achever celui-là. Ennemi détecté? Où ça? Où ça? Where? Where? Oh, ici. Il y a un berserk qui a popé ici, c'est pas grave. Ça devrait aller. Bam, là-dessus. Tirer. Ok, il reste qui là? Il en reste combien? Il en reste les 3 là-bas? Ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Alors toi, tu peux tirer sur celui-là. Ça le tue ou pas? Non, ça le tue pas. Hein. Oh, quelle horreur. Il reste un peu. Quel enfer. Toi, faut que t'achèves lui, hein. Pas le choix là, je crois bien. Tu peux le tirer dessus là. Il va te mettre là. Tire sur lui. Vas-y. Oh putain, c'est pas possible. Ah, il a 20 de saignement. Ça se trouve, il va mourir. De saignement. Même pas. Putain, quelle horreur. Bon bah je crois qu'on peut dire adieu à Inaru. Ça pue le décès hein. Ah peut-être pas. Repositioning. Hope this works. Peut-être pas. Let's just get this over with. Oh, je vais tirer sur mon gars là. Putain. Quel enfer! Bon. Bah tant pis. On va tirer sur celle là-bas. Bon, bah allez. Ah, il utilise un medkit, donc ça veut dire qu'il peut pas tirer. Il va pas pouvoir tirer là. Ok, et l'autre là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il y a le berserker ici aussi. Oui, oui, oui. Ok, il a tiré sur moi. Oh, très bien. Bon, alors là, le but, ce serait de buter ces derniers trucs qui me restent en un tour. Si possible. J'ai l'impression que ça va pas être possible. Putain, puis là, je peux pas la déplacer. Putain, toi, faut que tu viennes soigner elle, absolument. Sniper. Pouah, non, je fais pas assez de dégâts, ces trucs. Alors. Toi. Je peux venir là pour achever lui là-bas. Ouais. Ok, sniper. Sur lui. Visée libre. Je vais pouvoir le tuer là. Voilà, ça on n'en parle plus de celui-là. Toi, tu viens soigner lui. Tu viens là. Soin. Sur lui. Ouf, très bien. Toi, je crois que tu vas faire pareil, tu vas descendre mettre du soin à l'autre. Non. J'ai lui aussi. Lui. Il peut venir genre là. Genre là. Hop, tirer sur ce truc. Tirer. Ok. Toi, tu peux tirer sur celui-là, des fois que. Ça va pas le tuer, mais ça va lui faire pas mal. Les gars. Ok, donc là, l'autre au pistolet pourra l'achever. Lui.
Toi, tu peux tirer sur lui deux fois là. Vas-y, hein. Putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible ça. C'est vraiment pas possible. C'est trop vous demander de bien tirer. Hein. Putain, j'y crois pas. Allez. Ah. Oui. Alléluia. Donc le berserk il fait quoi lui? Ok. Ah. Il a combien de points de vie, Polslovitch? 20. 20 PV, donc il peut tenir 2 tours comme ça. Il peut tenir 2 tours. Alors attends, là il peut tirer aussi. Que fasse ça, absolument. Lui. Il va tirer lui. Mission épuisée, rechargée. Oh, j'ai plus de balles du tout. J'ai plus de balles du tout, quoi. Ah, l'enfer. Je fais quoi? Je vais le tuer, lui, ou pas? Non, faut que je tue ça, moi. Tirer là-dessus. Ok. Bah, vas-y, hein. Bravo, l'idiot. Alors le sniper, il me reste quoi là tuer? Il me reste ça. Le sniper, il peut viser les deux. Donc au pistolet, il va achever celui qui a plus de vie. Celui-là. Je fais une vidéo un peu longue, mais j'aimerais bien finir cette mission. Tirer. Voilà. Et avec le snipe, il va viser sur celui-là. Ok, donc l'autre ne me sert plus à rien là. Génial. Toi, tu vas venir là. Est-ce que toi tu peux tirer sur le truc là-bas? Non, c'est pas cool. Faut que je gagne ici là. Right there. À quel point on peut tirer sur ce truc là? Ah, c'est bien là. Bon, j'ai un tour à tenir. Parce que là, c'est sûr que je vais pas. Putain, je peux pas le tirer de là-dessus, moi, d'ici. Oh putain. Là, ce que je peux faire, c'est amener elle ici. Hop. Et la mettre en vigilance par là, là. Parce que l'autre, il va forcément sortir d'ici. Allez, terminez le tour. Ou il va peut-être aller taper mon berserk. Ouais. Il va taper mon berserk. Ouh. C'est pas grave, normalement. Normalement, c'est le dernier tour. Donc là, je tire là-dessus. Ok. Et toi, tu tires là-dessus encore. Non, là-dessus, s'il te plaît. J'espère qu'il va pas falloir. Hop. Allez, fin de la mission. Ah. C'est éprouvant, hein. Punaise, cette mission-là. Pfiou. Éprouvant. Allez, retourner à la géoscape. Ah, faut retourner à la base pour soigner, hein, vraiment. C'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Ça fait une belle vidéo encore, hein, 44 minutes. Allez, bon, sur ce, de toute façon, on va en rester là. Je veux juste voir ce que les récompenses que je vais obtenir en ayant fait ça. Et surtout, qu'est-ce qu'ils vont me dire, les disciples d'Anu? Objet récupéré. Des iconoclastes, très bien. Et des munitions d'iconoclastes, fantastique. J'ai gagné aussi 350, 80 et 150, c'est bien.
Avantage diplomatique. Un objectif commun nous rend plus forts. Le Sénat va partager des recherches importantes avec nous. Ok, donc très bien. Développement de... détail de recherche, c'est quoi ça? Adaptant la technologie de vaisseau. Ok. Ah, c'est un véhicule qui soigne, cool. Arme toxique, ok, donc ça c'est les grenades. Nanotechnologie avancée, c'est nanorobot avancé, invisible. Facilement pour un, il y a une interface. Un cheveu et la peau d'un individu, et peut-être j'ai. Aucun effet secondaire. Ça, c'est pas mal ça. Développement de repousseur de brume. Ah, ça, c'est cool. Construit dans les refuges du Synédrion, entameront le processus de récupération de terre et forment une partie essentielle de la stratégie du Synédrion. Rendra les bases des colonies beaucoup plus sûres, mais ne constitue pas une solution viable contre la menace pandorienne à long terme, ok, étant donné que seule la brume est affectée, oui. En outre, les repousseurs attireront sûrement les foudres d'autres factions. Ouais, mais ça m'embête pas mal. Alors, vous signerez peut-être que durant les premiers stades de l'épidémie du Pandora virus, de nombreux membres du Sénat ont parti d'une organisation répondant au nom de l'initiative Oiseau de Feu, étudiant différents moyens d'en arrêter la programmation. Mes calculs suggèrent que l'initiative était sur le point de changer l'histoire de l'humanité, mais malheureusement, ses activités ont été brutalement interrompues suite à une attaque éco-terroriste. Les hommes de cette époque ont développé une peur irrationnelle des technologies génétiques. Une pathologie que je ne parviens pas à comprendre. Nous avons toujours cru que l'intégralité des recherches d'initiative était perdue, mais nous avons récemment découvert des preuves de la récupération de certaines de ces informations. Je suis sûr que vous comprenez à quel point il est vital que nous les récupérions. Pour la suite de nos opérations, nous ne savons pas si la personne ayant mis ces recherches à l'abri est toujours en vie, mais nous disposons son dernier emplacement connu. Si vous pouviez nous aider à mener l'enquête, cela pourrait faire énormément progresser notre cause commune. Ok. I am pleased. Ok. Alors, il semble que les relations diplomatiques entre Sénat et le projet Phoenix s'améliorent. Une évolution positive selon moi. Mais quelque chose m'intrigue. Dois-je votre motivation à un certain investissement dans politique et philosophique? Ou faites-vous simplement votre travail? Nous protégeons toutes les factions sans prendre parti. Nous sommes d'accord avec le Synédrion. Allez hop. So you are a potential ally. Not merely fighting the Pandorans, but attempting to... Recherche, ok, très bien. Good to be working with you. Nouvelle Jericho, ravi de travailler avec vous. Nous voulons sauver le monde, nous aurons besoin de toute l'aide possible. Nous avons accordé un accès limité à notre réseau établi au bureau de liaison pour travailler avec nos agents. J'espère que vous comprendrez que nous ne pouvons vous accorder notre confiance trop rapidement. Notre organisation a une certaine réputation. Nous ne savons pas de quel camp vous choisirez soutenir et nous voulons être sûrs que vous partagez nos valeurs. Ok. Blablabla, ok, des nouvelles missions, première phase, blablabla. Ok, donc Gelden, on va lui donner 2 balles cette fois. Poslovic, on va lui fournir un medikit. On va lui faire ça. On va tout faire en fait, voilà, hop, ok. Très bien, donc là, on va se diriger ici pour se soigner. Refuge abandonné, ah zut, inspecter les zones, blablabla. Matériaux vivres. Oh, très bien ça. Encore un truc sympa là. Voilà, donc allez, donc moi sur ce, je vais vous abandonner pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite de ce let's play. Allez, salut à tous, ciao.